Yo. Oh shit. Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et donc aujourd'hui je vais vous présenter ce jeu Fajwar. Fajwars, pardon, c'est, oui, le S, enfin, se prononce. Donc c'est un jeu qui est sponsorisé par Armor Game. On n'a pas le développeur par contre, j'y pense. J'ai pas vu le développeur. Donc c'est un jeu de conquête. Donc on est parti. Alors j'avais fait déjà 2-3 petites parties. Je regarde un peu qu'est-ce que je vais choisir. Donc on a en fait plusieurs. Voilà, donc c'est des parasites. On en a des plus rapides, des plus puissants, enfin des plus forts. Je sais pas trop choisir. Allez, je vais prendre un équilibré là, je vais prendre le orange, on verra bien. J'ai déjà réalisé le jeu avec tous, mais je me souviens plus trop du gameplay. Donc le premier niveau est un tutoriel. Donc en fait c'est assez simple, on envoie donc on essaie de contaminer des cellules dans un corps étranger, donc un humain certainement, ou voilà. Et donc en fait on se bat contre un ou plusieurs autres virus. Ah bah pas des virus, ah, vous m'avez compris quoi, d'autres parasites. Donc au niveau sonore, donc on a une petite musique de fond un peu angoissante mais pas plus que ça. Et donc voilà, on entend un petit bruit quand on sélectionne une cellule. Voilà, hop, c'est parti. Donc là, en fait, on peut sélectionner plusieurs cellules pour en attaquer une. Donc là, c'est ce que je fais. Hop, et puis là, bon, voilà, là, c'est fini. Et voilà. Donc on a... donc, Dominant Species, c'est quand on a contaminé toutes les cellules. Sinon, bah, c'est simplement gagné, quoi. Ok, donc il faut bien, hein, c'est défendre nos cellules. Impérativement, ça. Donc, plus les cellules sont grosses, plus en fait leur évolution est rapide. Ça, faut le savoir. Voilà. Donc, le but au départ, donc, c'est donc de contaminer un maximum de cellules pour ensuite pouvoir écraser les autres. Plus ou moins facilement, quoi. Donc il faut savoir que chaque cellule selon leur taille ont des comment on leur limite. Donc je sais plus, je crois qu'on peut pas dépasser 54 sur les petites cellules comme ça. Bon donc voilà, c'est. Voilà, il reste plus qu'une cellule. Voilà, ok, Dominant Species encore. Hop, donc, ah oui, donc là, hop. Donc là, déjà, je vais prendre la grosse là-haut, comme ça, elle va pouvoir se développer. Donc au départ, on divise pas mal nos cellules, donc évidemment, donc ça les rend un peu plus faibles au départ. Mais après, voilà, on remonte très très vite. Donc parfois, donc c'est souvent un jeu de rapidité. Attendez, je bouge un peu mon micro, je crois qu'en fait depuis tout à l'heure je souffle un peu dedans. Ok, allez hop. Je vais prendre
Hop là. On va attaquer ça. Donc l'avantage, c'est donc nous, on peut voilà faire des attaques coordonnées. Nos ennemis ne peuvent pas. Donc ça nous laisse un avantage tactique quelque part. Mais ils sont quand même assez rapides, hein, donc. Ok, donc c'est bon, toutes les cellules sont contaminées, donc on va pouvoir passer à l'attaque. Donc le but, c'est pas forcément de faire la spécification Dominant Species à chaque fois. Sinon, alors si en fait on gagne et qu'il reste des cellules en grise, des cellules neutres, on a simplement infection complète, je crois, ça s'appelle. Puis c'est tout, quoi. C'est-à-dire, c'est absolument pas une nécessité de contaminer toutes les cellules, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas combien il y a de niveaux. Donc graphiquement, bah c'est pas mal foutu, hein, comme truc, je trouve. Donc bon. Hop, là on va sélectionner un maximum et directement attaquer ça là-bas. J'ai essayé de pas la faire en dominante celle-là pour vous montrer l'autre spécification, comme quoi voilà quoi, c'est pas complet. Hop, ici, voilà, ici 4 cellules devraient suffire. Et donc ici, hop. Voilà. Donc s'il reste des cellules grises, vous voyez, hein, il marque juste infection complète. Bon. Si vous venez d'entendre un bruit derrière moi, c'est le chien. Hein, c'est. Donc voilà, donc moi quand même, je préfère, c'est voilà, attendre que toutes les cellules soient contaminées pour qu'on puisse vraiment passer à l'attaque dans les meilleures conditions possibles. Aïe, il a recontaminé une cellule. Hop, hop, hop. Voilà. Oula. Donc souvent quand ils nous attaquent comme ça directement, faut réagir très très vite. Parce que si notre nombre de cellules tombe à zéro, même si on en a qui sont en route, c'est perdu, hein, donc. Voilà, donc quand une cellule est en surcharge, elle gonfle. Donc là, faut absolument la vider parce que sinon toutes les cellules qui sont, enfin tous nos parasites qui sont à l'intérieur sont en train de mourir. Parce qu'en fait, le truc, hein, donc c'est que c'est comme tout organisme, quand il y en a pas assez, bon ben c'est faible, donc ça se fait facilement démolir par une autre espèce. Et s'il y en a trop, en fait, et ben il y a surconsommation et donc on meurt aussi. Donc en fait, bah, ça sera équilibre en fait, hein. Ça redescend jusqu'à la limite de la cellule. Ça redescend pas jusqu'à zéro.
excusez-moi. Voilà. Bon, bah là, je crois que c'est bon. Voilà. Là en fait hein, c'est on commence par contaminer notre côté, c'est le plus proche, et après on ira s'attaquer donc aux cellules d'en face. Hop, donc moi je lance toujours une petite défense, voilà comme ça, hop. Oh zut. Voilà, donc c'est un jeu, faut réagir assez vite. Donc qu'est-ce que je pourrais encore vous dire sur ce jeu, hein? Bah, je pense que vous avez compris le principe, hein. Y a rien de très très compliqué. C'est dommage que j'ai pas le nom du développeur. Je suis pas sûr qu'on l'ait dans le jeu en fait. Ah, il reste plus qu'une cellule, donc ça devrait être bon, je pense. Oh zut, il en a recontaminé une, tu crois pas. Voilà, c'est bon. Donc il a certainement contaminé celle à 34, bon ça fait rien. Je la reprendrai plus tard. Zut, attendez, celle-là, faut pas que je la rate par contre. Elle est assez grosse. Bon allez, hop, on va aller choper celle-là. Donc, ah oui, on peut aussi également faire ça. Attendez, donc je sélectionne deux cellules et je les envoie aussi dans une cellule qui m'appartient aussi. Il y a aussi possibilité de faire ça pour renforcer certaines zones. Voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Ça c'est. Voilà. Allez, hop. Voilà, donc pareil, je vais réaliser le jeu entièrement devant vous. Jusqu'au dernier niveau. On va faire ça jusqu'au dernier niveau, de toute façon. Donc j'allais tout de suite prendre, c'est la cellule du milieu là. Attendez, je rééloigne mon micro de ma bouche quand même. Voilà. Hop. Donc là pareil, hein, on garde un peu nos positions. Bon, pas grave, je sais que j'ai vu qu'il y a une cellule qui est en bas là, que je vais pas tarder à la récupérer, il n'y a pas de problème. Ouais, hop. Ah, il manque une cellule là. J'essaie d'avoir le dominant species à chaque fois. Comme ça. Je garantis pas de l'avoir à chaque fois, mais bon, on va essayer. Normalement, il n'y a pas de raison. Allez, hop.
Oula, y a du mouvement du côté ennemi. Voilà. Ah oui, alors celle-là est loin d'être évidente aussi. Souvent là, faut voilà, faut laisser tomber notre première cellule parce que elle est facilement reprise. Alors, hop. Et on va essayer de la ressaisir maintenant. Oh, on va carrément essayer de prendre la leur. Si on peut, si on peut, si on peut, on peut. Ouf. Voilà, comme ça au moins. Donc là, on va laisser en fait notre propre la grosse cellule qu'on a à droite là s'étendre d'elle-même. On va essayer de sécuriser le reste. Donc voilà, par exemple ici, on en a beaucoup. Hop, on va essayer de répartir un peu. Voilà, ok. Et puis là, bon, bah on est parti, hein. Là, j'ai sélectionné toutes les cellules. Hop. Voilà. Je sais pas combien on peut en sélectionner au maximum. Je crois que c'est une dizaine. Pour une attaque coordonnée comme ça, je crois que c'est une dizaine qu'on peut sélectionner. Ok, hop. Donc on est reparti. Oh là là là, hop, c'est n'importe quoi là. Va essayer de se refaire une cellule assez forte, voilà. Pour pouvoir après se rediviser. Donc c'est un jeu de stratégie tout de même, hein. Donc voir quel adversaire attaquer avec les cellules, avec nos cellules les plus fortes. Enfin voilà quoi. Ça, c'était une mauvaise idée. Je savais que j'allais perdre cette bataille. Hop. Bon, bah pour le moment, ça se présente plutôt bien. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que les bleus et les rouges peuvent aussi se battre entre eux, donc ce qui est souvent à notre avantage. Voilà quoi. Donc le truc aussi, hein, donc c'est d'être plus rapide que son adversaire, quoi. Ah, que ses adversaires. On va voir combien je peux en sélectionner. 3, 6, 7, 8. Apparemment, je peux en sélectionner que 8. Facile. Donc il y a des niveaux qui sont loin d'être évidents. Oh, celui-là il est assez facile dans l'ensemble. Donc là il faut pas hésiter, c'est dès qu'on voit qu'il y a un ennemi qui s'approche. Enfin trop de notre... Voilà, c'est surtout sécuriser notre cellule d'origine là. Voilà, quitte à renvoyer un petit peu trop d'unités dessus. Mais faut surtout pas la perdre parce que c'est notre usine principale quelque part de parasites. Donc si on la pomme, c'est pratiquement perdu quoi. Allez, hop, là c'est parti. Ok, donc ça c'est pas bon, hop. Ok. Donc faut surveiller de temps en temps, voilà les cellules qu'on a déjà conquéries, mais sinon dans l'ensemble, on peut les laisser un petit peu se développer en fait. Là par exemple, j'en ai une qui a été reconquise. Hop, j'essaie de la reprendre. Hop.
Qu'est-ce que je peux attaquer là avec ça? J'essaie de renforcer celle-là déjà. Je peux rien avoir là. On va essayer de hop hop. Voilà. Donc quand on a des cellules au maximum, hein, on les envoie directement. Voilà, donc j'ai les 4 grosses cellules. Donc c'est pratiquement gagné. Hein, je suis pratiquement sûr du truc. Allez. Il en reste une? Ah non, c'est bon. Okay. Ah oui, alors là, celle-là, par contre, elle est très très difficile, celle-là. Celle-là est vraiment loin d'être évidente. Donc là, faut vraiment les plus faibles, faut vraiment pas s'en servir. Et toujours garder au moins une cellule à 100, comme ça on est presque sûr qu'elle est protégée. Excusez-moi, là je parle pas beaucoup, là je me concentre. Bon. Donc je sais pas trop ce que vous pensez de ce jeu, moi je l'aime bien. Et il demande quand même un peu du jot. Donc là, ce niveau-là, je le maîtrise bien là, parce que d'habitude je galère un peu. Bon bah là, voilà. Mais c'est pas le pire, hein. C'est pas le pire. Oh, celui-là, il est assez easy. Voilà, hop. D'accord, ok, ça servit strictement à rien. Allez, lâche les lavoirs là. Hop. Donc qualité sonore simple mais efficace. Graphiquement, bah c'est bien quoi. On est bien dans l'ambiance. Que dire? Le gameplay, bah voilà quoi. C'est de la conquête et je trouve ça très très bien foutu. Donc voilà. Le jeu n'est absolument pas frustrant parce que donc pour le moment je n'ai pas encore perdu mais. Excusez-moi. Et il faut savoir que si on perd, on reprend au niveau auquel on était. Donc là-dessus, on n'est pas vraiment frustré. Aïe aïe aïe! D'accord, alors ça, je voulais pas, ça par contre. Bah, je vais peut-être perdre là, écoutez. Parce que là, sans la cellule de base, ça va être très très dur. Oh là
Alors, je me fais dominer. Faut vraiment que je reprenne la cellule de base. Alors, on va essayer. Allez, 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 allez. Oui! Bon, on va les laisser un peu se régénérer, hein. On va pas trop s'en servir. Si on essaye ça, allez, on est des fous. Oh oui! Nickel. Bon, et ben on remonte un peu là. On remonte bien la pente quand même. Allez. On va essayer de conquérir quelques cellules qui sont pas affectées parce que. Alors parfois on sait pas pourquoi il y a une cellule qui part à la dérive comme ça. Bon, c'est un petit bug. Oh, il a repris sa cellule, hop. Là, souvent c'est ça quoi, on se vole les cellules entre nous quoi, c'est enfin entre l'ordinateur et nous quoi. Donc le jeu ne se laisse pas complètement faire non plus quoi, c'est. Ok, bon, donc j'ai toute la partie droite de l'écran pratiquement. Donc parfois le déplacement des cellules c'est assez traître, hein, parce que voilà, par exemple ils font un virage, on pense qu'ils vont attaquer une cellule et en fait ils en attaquent une autre. Donc le mieux c'est de faire toujours des attaques comme ça, groupées, quoi, coordonnées. Ça évite franchement d'avoir des mauvaises surprises, de perdre des cellules à rien quoi. Donc aussi un truc qui est pas mal, c'est comment quand lorsqu'une cellule envoie une attaque, l'attaque est juste derrière l'envoi, comme ça la cellule est tout de suite affaiblie. Donc là pour le moment dans ces niveaux-là, on voit les. On voit combien il y a de parasites dans les cellules ennemies. Il faut savoir que dans certains niveaux, c'est masqué. Ce qui rend les choses encore plus difficiles. Donc bon, bah là, je crois que c'est bon. Voilà. Ah oui, alors celui-là, il est très très difficile. On va essayer de. Si je pouvais prendre celle-là là-bas, ça serait génial. Oui, nickel. Ok, on va essayer celle-là. Ok, parfait. C'est une petite attaque coordonnée pour celle-là. Voilà, nickel. Allez, les trois grosses. Allez, on va essayer un maximum là, ici, direct. Si je pouvais prendre cette grosse là encore, là, ça serait génial. Allez, allez, allez. Vas-y, vas-y, Coco. Vas-y, vas-y. Allez, oui, on l'a. Dès qu'on a les deux grosses cellules, c'est pratiquement gagné. Donc, Allez, non, et pourtant celle-là, pourtant je galère d'habitude, quoi. Ok. Je vais pas avoir perdu une seule fois? Non. Oh, c'est pas possible. Je vais forcément perdre le jeu arrivé à un moment. Donc là, le truc ici, là, c'est. Allez, choper la grosse cellule là-bas d'entrée de jeu.
parce que ici là c'est vraiment un gros bazar. Donc on laisse la cellule un petit peu se développer. De toute façon elle se développe très très vite, donc une fois qu'elle est prise elle est imprenable pratiquement. Et puis bah là c'est on conquérit un petit peu le territoire normalement. Puis en fait, et bah, quand ça s'est un peu le roussi, et bah, on envoie du renfort quoi. Oh, décidément. Excusez-moi si vous m'entendez tousser depuis tout à l'heure, mais je suis pas mal malade. Je vais peut-être même pas avoir besoin d'utiliser la cellule, la grosse cellule. Je vais réussir la conquête sans utiliser la grosse cellule. Oh si, je vais m'en servir une fois quand même. Bon allez, hop, déjà les violets, c'est fini. Alors, on va utiliser quand même ça. Allez, hop. Allez, on va la vider carrément sur nos ennemis. Hop, puis ici. Voilà. Donc là, c'est assez rapide. Donc faut. Le rythme est quand même assez soutenu. Alors, on va essayer de reprendre notre cellule d'origine. Voilà, nickel. Essayer, hop, celle-là, nickel. Allez, on va partir à la conquête des cellules qui sont encore libres. Hop. Non, ça non, ça. Bon, je me suis fait attaquer avant de lancer mon attaque, donc résultat, j'ai pas pu conquérir la cellule là-bas, la cellule qui partait numéro 3 là-bas. Ok, hop. Donc j'ai peut-être assez de puissance de feu là pour, hop. Récupérer celle-là. Bon, bah celles-là elles sont maximum. Hop, on va aller. Alors, allez, on va choper celle-là par exemple. Ici, toutes ces zones-là, hop, c'est pour récupérer celle-là. Ouais, je meuble pas trop là au niveau de la vidéo, donc. Donc, c'est vrai que le jeu n'est pas. Comment? N'a pas vraiment besoin de commentaires quoi. Ok, j'ai les trois plus grosses cellules, donc bah, c'est gagné. Hein. C'est hop. Voilà. Il me reste plus qu'une cellule à conquérir. Dominant Species. Donc il y a qu'un seul niveau encore que, mais c'était juste pour vous montrer que. Oula, oula. Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter, faut évacuer quoi, faut. Allez, on va essayer de reconquérir les. Hop, au moins une grosse, voilà, ok. On va essayer de renforcer celle du milieu pour lancer une grosse offensive, allez.
c'est le milieu quand même. Hop. Et je prends toutes celles du milieu, je vais aller attaquer celle-là. Nickel. Donc vous voyez ici, là, je n'ai absolument pas le nombre d'ennemis qu'il y a dans les cellules adverses, quoi. Donc là, c'est vraiment pas évident. Je crois que déjà au niveau précédent c'était le cas, mais j'avais pas vraiment marqué. Allez, hop, on va les récupérer celle-là. Oh zut, j'ai cliqué à côté. Bon. Bon là, je crois que c'est bon, hein. Bon, hop. Ok. Ah ouais, celle-là, alors là, par contre. Celle-là, en fait, on se pose pas trop de questions, on essaie de conquérir un maximum de cellules et on prie pour qu'elle se développe, quoi. Donc là, pareil, hein, on a pas le nombre d'adversaires en face. Donc là, l'objectif quand même, ça va être d'avoir assez d'unités pour pouvoir comment pour pouvoir avoir une grosse cellule. Voilà, par exemple là, je pense que c'est bon pour attaquer la plus proche là. Hop, nickel, nickel. Elle est pas, c'est de justesse quand même, hein. Une trentaine, c'est pas vraiment suffisant. D'accord, donc ce sont les noirs qui ont dominé le machin. Bon, on va essayer déjà de s'attaquer aux grosses cellules. Ok. Oh, ils ont reconquéri, je crois pas. Ah, ça sent le roussi, ça. N'importe quoi. Bon, ok. On va essayer. Hop. Donc dès qu'on envoie une gonflée, hein, on s'y frotte pas. Hein. On sait que c'est. On sait qu'elle est déjà en surnombre, donc. Hop, attendez. On va essayer de lancer une offensive avec ça, tiens. Hop. Nickel. Bon bah j'ai trois grosses cellules déjà. Ça fait juste quand même.
Bon. Oh zut, ça c'était une. J'aurais pas dû m'attaquer à celle-là en fait. Je pensais que c'était une grosse, en fait non, c'était une toute petite qui était vraiment en surpopulation. Oh, puis ils ont reconquéri la grosse qui est là-bas. Allez, hop. Non, bah je crois que c'est paumé là. Je crois que là c'est fini quoi. Bah allez, ça me dit pas remonter. Qu'est-ce qu'ils foutent là les deux cellules? J'ai deux cellules en bug là. Ok, on va essayer de reconquérir un petit peu. Hop. On va essayer de conquérir directement encore un gros. Non, c'est pas vrai. Oui, ok, nickel. Oh, c'est pas vrai. À chaque fois que j'en rechope une, il me la démolit. Oh, bon, là c'est fini, je pense. Non, bah là. Allez, hop, extinction. Allez, ce sera la première. Et tu gères assez bien cette partie-là, c'est dommage. Hop. Ok, bon. Donc j'ai toujours ma cellule là-bas, ouais, pas pour longtemps à mon avis. Voilà, bon, je vais laisser les autres, puis je vais essayer d'attaquer avec celle-là. J'ai toujours ma cellule en bas, bah dis donc, bah, j'ai de la chance sur ce coup-là. Je vais la laisser se développer celle en bas. Là par contre les noirs ont été exterminés ce coup-ci. Bon, ok. Oh bah si, bah là je gère là. Hop. J'ai toutes les grosses cellules. J'espère que la capture a pas foiré encore ce coup-ci, mais parce que voilà. Oui, j'ai bien branché le micro, tiens. Oh, oui. Ouais. Seulement maintenant que je vérifie si le micro il est. Voilà, ok, donc c'est bon. Donc le jeu se termine ici. Voilà. Et donc on peut. Comment? Hop. Et donc on peut. Donc vous voyez, donc là, la cellule orange donc, que j'ai sélectionnée est. Marquée dominante. Donc on peut réaliser le jeu au total donc 8 fois avec donc 8 cellules différentes. Une fois que on a fini en fait le jeu avec les 8 cellules, il propose d'effacer la partie puis de recommencer indéfiniment quoi. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu vous a plu, ainsi que cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez, pouce vert, enfin voilà quoi, commentaire.
Sur ce, donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si vous le désirez, ça je l'ai déjà dit, et je vous dis à bientôt!